Coucou, bonjour tout le monde, Isa du 33, j'espère que tout le monde va bien. Avec ces très très grosses chaleurs. Bon, on va faire un haul action, encore, oui. Mais j'avais besoin de pas mal de petites choses pour la formation. Donc j'avais fait une liste, on appelle ça, enfin moi j'appelle ça des listes de souhaits. Finalement, bah, écoutez, j'ai tout pris. Le seul problème, c'est que je n'ai plus de... Je n'ai pas trouvé dans mon action des feuilles pour la plastifieuse. D'ailleurs, il n'y a plus la plastifieuse. Ça m'inquiète. J'espère qu'ils le remettront parce que ben, je m'en sers pour faire mes fiches de révision. Il y en a certaines que je mets sous plastifieuse. Et ça m'ennuie fortement. Bref, on va faire le haul vite fait. Quoique non, pas vite fait. Comme d'hab. J'ai pris. Enfin, j'ai repris ça là. Merde, j'ai. Ah, j'ai pas préparé le ticket, les filles. Et bien, je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Bon, ça c'était dans les 2-3 euros. Hein. Pas plus, c'est génial. Vous savez, j'ai pété mon grand truc là. Oui, vivement. Hein. Donc, j'ai pris celui-ci. Et puisque vous savez que j'ai deux téléphones, je vais pas vous expliquer pourquoi, ça serait assez long. Donc, je suis obligé d'en avoir deux. Bref. J'ai mon perso, hein, où très peu de gens d'ailleurs ont mon numéro de téléphone personnel. Et j'ai l'autre pour tout ce qui est pub, jeu, banque. Enfin, moi, il me sert à pas mal de choses. Faut surtout pas qu'il me lâche. Donc j'ai celui-là là et j'aurai celui-là. Mais il est là. Oui, c'est celui-là. Tu vois? Et ça, il faut pas que alors là, je le perde. Je perds ma vie, fille. Donc voilà. Donc ça sera. Un chacun, pas de jaloux. J'ai repris pour 5,45 €. Alors, j'ai regardé les feuilles, donc c'est quand même nettement moins cher qu'à Bureau Vallée. Et puis, même si tu vas à Bureau Vallée, même si c'est que 1 € de plus, tu as l'essence, tu vois. Toujours pareil, tu as l'essence, bazar. Et puis, quand je vais à Bureau Vallée, vous me connaissez. À côté, tu as Noz, tu as Cosmétiques en Folie, tu as Action, Aldi, Imane. Donc je vais éviter d'y aller pendant un certain petit moment. Les feuilles, qu'est-ce que c'est lourd ce truc? C'est des canons hein, quand même. Par contre, au niveau de l'épaisseur, j'ai pas aimé celle que j'ai prise à Bureau Vallée l'autre jour. Il n'y en avait pas Action. Hein. Et c'était trop épais les feuilles. Beaucoup trop épais. Voilà, là, c'est voilà, c'est des fines. Elles sont trop épaisses. Bon, ça s'est rangé. Hop là. C'est rangé à mettre là-bas. Oui, je sais. Mais je vais me limiter. 1,19 €. Je sais, c'est pas bien. Je vais me limiter, cuisine. Alors, vous savez que Fabrice rechange de garage. Il m'a fait 17 ans à Citroën. Il m'a fait 2 ans et demi au petit garage là-bas, là. Je sais pas où, loin. 4 mois à Bruges. Et puis là, mais comme je lui ai dit, t'es en ajout, ne te fais plus chier. Ça va pas, tu te barres. Des carrossiers peintres, les filles, on en cherche partout. Il peut monnayer en plus, donc bon. Puisqu'il a fait 17 ans et qu'il a la médaille du meilleur carrossier de France de Citroën, hein, les filles, pas de plus. Enfin, bon, c'est pas mal. Donc pour sa rentrée scolaire, je lui ai pris un t-shirt. Bon, ils doivent lui donner le matos, ça va. En plus, là où c'est bien, c'est que c'est à côté de la maison. C'est à 5 minutes. C'est parfait. Que là, il part, c'est à. Normalement, il devrait mettre aller la demi-heure, mais il met facilement 1 heure, quoi. Donc tu calcules 1 heure pour aller bosser, 1 heure pour revenir. Non, c'est bon. L'essence, les filles, l'essence. Donc je lui ai pris ça. Dans les 3 euros aussi, il me semble. C'était en promo. Celui-là est en promo. Cela. Mais pas cela. Mais bon, écoutez, allez, dans la chambre, ou bien. Je me suis pris des sandales ouvertes, donc j'ai pris du 41, sachant que je faisais à l'époque du 38-39, mais avec, vous savez, ma rétention d'eau, je mets les bas, donc je ne peux pas mettre n'importe quoi comme godasse. J'en ai ras-le-bol des crocs, et puis c'est pas nickel, quoi. Ça fait pas. Voilà. Bon, alors j'ai pris ça. Je ne les ai pas essayés. Pourquoi? Parce qu'il y avait un monsieur à côté de moi. J'ai eu peur, tu vois, de me faire engueuler. Ouais, t'as vu, il y avait les chaussures. Alors, j'espère que ça va aller. Et ça va impec, les filles. Tu vois, 41. Faut pas moins, hein, en ce moment.
C'est entre les bas et... En plus, il y a des petites boules. Bon, enfin, bon, bref. J'ai des godasses. Je les enlève, hein, parce que j'ai trop chaud. J'ai trop chaud, là. Je me suis repris une calculatrice dans les 3-4 euros. Si je ne peux pas vous dire les prix exacts, parce que vraiment, je ne sais pas. Je ne m'en rappelle pas. Même pas, je crois qu'elle faisait 2 et quelques. Parce que celle-ci, là, elle est bien, mais je n'ai pas toutes les formules. Et moi, il me faut, vu que vous savez que je suis un... Excusez-moi, ça bouge, le machin. En formation secrétaire comptable, qui est très dur d'ailleurs. J'ai jamais fait de comptabilité de ma vie, donc je ne vous raconte pas comme c'est dur. Mais bon, là, c'est bon. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Donc, voilà, j'ai pris celle-ci. Écoutez, on verra. Enfin, on verra. Non, on verra rien du tout. Ça fonctionne, point barre. Donc, vous savez qu'à chaque fois, je prends des feuilles comme ça pour mettre dans mes classeurs. J'en ai vraiment besoin. Alors là, c'est pareil. Faites, avez-les là, le ticket. J'ai retrouvé le ticket, mes gazelles. Là, faites super. Bah, il manquait un bout. Je vais couper. Bah ouais, il est coupé. Ah, mais j'ai l'autre bouquet là, regarde. Oh, incroyable. Donc, alors, on a dit les papiers imprimantes, oui, 4,45 €. Pardon, excusez-moi, je vous avais dit. Le t-shirt chiné à 4 euros, tu vois. J'ai pris aussi des chaussettes, donc des chaussettes légères. Elles sont vendues par 3 et ça vaut le coup parce que c'est 3, 3 à 2,35 €. Parce que moi, les chaussettes, comme je vous ai expliqué, elles ne s'entendent pas entre elles. C'est pas possible. Il va falloir que je leur parle aux chaussettes parce qu'elles commencent à me saouler. À se barrer comme ça. Donc, alors, moi, comme je vous ai déjà dit, je prends toujours noir. Je suis comme ça, t'es pas emmerdé. Toujours les mêmes coloris. T'en perds une, tu t'en fous, t'as l'autre. Je ne prends plus avec des dessins, des machins. Bon, il en a, certes, pour suivant où il va. Mais voilà. Dorénavant, je me fais plus chier. Je prends plus des blanches, ça sert à rien parce qu'il est carrossier peintre. La chaussette blanche à 8 h, la chaussette noire à 19 h. T'as beau les laver, les relaver, t'as toujours, tu sais, cette espèce de truc grisâtre. Enfin, moi, j'aime pas, franchement. Donc voilà, monsieur aura des noirs, il en a, hein, des blanches aussi, mais bon. Et des légères. L'été, c'est parce qu'ils sont obligés de porter, vous savez, les chaussures de sécurité. Donc, il fait très chaud, hein. Donc là, j'ai pris des légères, donc ça va lui aller. Hop là. Je vous ai dit 2 euros, voilà, 2,35 €. Ah ouais, regarde, le ticket, il est déchiré. J'ai pris, ah oui, les multiprises qui sont, oh, c'est cher une multiprise, je ne savais pas. Alors, elle est où, la galoute? Donc, j'ai pris la moins chère, évidemment, parce que je vais en faire. Hein. C'est une multiprise, hein. On va pas mettre 20 balles dans une multiprise, c'est complètement con. Hein. Une multiprise reste une multiprise. Après, tu as le bouton, tu sais, pour allumer, éteindre, allez, bamos. Donc, ça, par contre, je vais l'ouvrir de suite parce que j'en avoir besoin dans pas longtemps. Donc, 4 euros, je vous ai dit, merdasse. Pardon. Bon, merdasse, c'est pas vilain. C'est mieux que couillasse. Oh, ils vont me supprimer Facebook. Pas Facebook, YouTube, qu'est-ce que je raconte? Bon, alors, ma Zaza. Le papier, je vous l'ai dit. Les chaussettes, je vous l'ai dit. Les t-shirts, donc l'imprimé, il fait quand même dans les 4 euros. Et là, qu'est-ce que je vois là? Un truc à 5 balles. Bon, attendez, on va y arriver. Hein. Donc là, la multiprise, je l'ouvre directement avec vous parce que je vais m'en servir pratiquement. Voilà, tu vois. Bon, elles ne sont pas grandes, attention les filles. Ce n'est pas des grandes multiprises comme on a ailleurs. Bon, ici, on est rempli de multiprises. Mais depuis qu'on a pris l'humidité dans les murs, on est obligé de tout brancher. Enfin, si tu branches un truc, ça pète. C'est le gros bordel. Bon, ça fait quand même un petit moment. Et comme je vous ai dit, avec tout ce qui m'arrive, on ne peut pas tout faire. Mais puis en même temps, je m'en fous. Le cappuccino, je vous l'ai dit. Ah oui, il est à 1,29 € et plus à 1,19 €. Je ne me rappelais plus. Après, alors, je me suis pris un soutien-gorge, mais tu sais, vous savez que je teste, moi.
Tu sais ça, un truc, tu sais, pour rester à poil à la maison, tu mets ça, un bas et on n'en parle plus. Bon, puis moi, je suis très très sexy en ce moment avec mes bas de contention, hein, sous 40 000 degrés. Tout va bien, les filles, tout va bien. Je l'ai payé 5 euros, je crois. Ouais, 5,70 €. Alors, je vous avoue, franchement, je ne vais pas vous mentir, si je vois que réellement ça me convient, parce que j'ai quand même une très très forte poitrine, donc si je vois vraiment que ça me convient, j'irai m'en prendre d'autres. Voilà. Parce que bon, tu le mets une journée après, vu la texture, ça doit sentir très très bon le soir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même si le linge sèche très vite, que j'en ai au moins deux ou trois d'avance, comme les pantis. Hein, ou j'en ai pas acheté, mais je mets le panty pour que ça tienne bien le bas. Sinon, ça tient pas. Ça roule. Je vous ai dit le prix, oui, je vous ai dit le prix. Alors, les feuilles, hein, j'en ai pris de paire, hein, les filles. Je suis obligée de ça. Bon, ça, je suppose que vous vous en foutez. J'ai déjeuné ce matin à la boulangerie. J'ai repris donc un classeur. Alors, j'ai pris rose, j'adore le rose. Le classeur, eh bien, c'est pour ranger ce que je suis en train de faire les payes là. Je commence la gestion paye. Parce que j'aimerais faire gestionnaire de paye. Mais c'est dans ma formation, hein. C'est compris dans ma formation, enfin tout, la comptabilité. Donc dans la comptabilité, mais tu comptabilises tout. Et il y a gestion de paye aussi. Et évidemment, j'ai aussi du secrétariat, mais ça on verra plus tard. Oui, c'est secrétaire comptable. Alors, mine de rien. Le classeur. La gnagnagna. Bon, ça va, il est à 2 euros le classeur. Oh là là. Il est à 2 euros le classeur, donc ça devrait aller. Oui, je sais, mais je transpire tellement que j'ai les cheveux, ils font ça. Jackson 5. Bon, allez, nana, on va passer dans les choses sérieuses. Oula, j'ai perdu ça. Alors, ça, je vous expliquerai après qu'est-ce que c'est. Et alors là, évidemment, comme si j'en avais pas assez. De tout ce que m'a offert les filles, c'est impressionnant tout ce qui m'a été offert. Impressionnant. J'ai eu un cadeau, j'ai eu trois colis, trois, quatre colis remplis à ras-bord avec des cadeaux. Hein. Tout ça parce que j'ai offert quatre bagues, quoi, tu vois. Pas quatre bagues, mais si tu veux, les filles qui étaient là, je triais mes bagues et j'ai dit celles qui les veulent, et bien j'envoie. Donc j'ai envoyé à 6-7 filles des bagues, je m'en fous, je les ai données, tu vois. C'est pas pour un retour, mais elles m'ont offert de ces trucs. J'utilise tout. Par exemple, là, la dernière, c'était cette tasse-là. Avec ça, que je garde toujours avec moi. Il est toujours là. Une, il y avait la crème pour les mains. À mon sac à main, j'ai la petite mounaque que m'a fait une fille qui crochette. Il faut voir. Oh, c'est magnifique ce qu'elle fait. Magnifique. Moi, je lui ai dit, mais vends-les, bazar. Vends-les, fais-toi un petit commerce, quoi. Parce que, comment on appelle ça? Ça, c'est une petite poupée. Ah ben, elle est là, attendez. Je l'ai mis à mon sac, mais bon, je ne vais pas tout vous sortir. Elle m'a envoyé ça. Et quand elle ira mieux, elle me fera le bonhomme, elle m'a dit. Tu vois, tu mets d'un côté, tu mets la fille, et de l'autre, tu mets le petit mec, quoi. Tu vois, c'est rigolo. Et un sac super beau. Bref, je suis énormément gâtée. Si vous passez par là. Ma pharmacienne, si elle passe par là, bisous. Mes petites caissières d'Action, bisous. D'ailleurs, mettez-moi que vous êtes la caissière d'Action, parce que des fois, je vous zappe. Je vous zappe un peu, je sais, c'est pas bien, mais bon. Des fois, quand j'y vais, elle le voit, il est pauvre. Mais elles sont super gentilles. Toujours le sourire, toujours. Alors que c'est pas un métier facile, la caissière. Donc, passons aux choses. Elle m'a offert énormément de rouge aux lèvres, mais voilà, la Zaza est passée à côté du rayon parce que je cherchais du pchit pour le visage. Malheureusement, les filles, ils n'en font plus. D'ailleurs, il y a pas mal de choses, j'ai vu, qui étaient barrées. Ce que m'a offert Laurence et Pauline, vous savez le truc là sur les yeux là. Que je vous disais, ma maman prenait. Mais je suis bien contente que vous me l'ayez offerte parce que ça ne se fera plus. Ils ont carrément coché l'étiquette. C'est-à-dire qu'ils l'ont retournée
Et à Action, le truc, quand tu vois l'étiquette barrée ou retournée, c'est qu'ils ne le referont, enfin, ils ne le feront pas pendant un certain temps. Donc ben là, j'ai les vôtres. Heureusement, les filles. Je cherche un petit ciseau, en fait, parce que pour ouvrir, ça risque pas être facile. Donc, elles m'ont offert des rouges aux lèvres. Et ils sont dans la chambre. Et vous me connaissez, moi, je suis très, 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 très rouge aux lèvres. Donc, j'ai une boîte entière. Et j'ai mis de côté les leurs, là, pour les utiliser au max. Donc, ce matin, j'avais celui de Pauline, je crois. Et ben là, je mets celui-là. Et ils sont super bons, regarde. Je sais pas comment on fait, je suis pas youtubeuse, moi. Enfin, tu vois, c'est celui-là. Mais ça, c'est joli. C'est très joli, je vais m'en servir de... Vous me connaissez. J'ai pas le problème de diomène, là, je sais pas comment on dit, là. J'ai pas ça, moi. Mais ça peut me servir de... S'il colle pas trop, je vais le couper de marque-page. Par contre, ils sont chers, hein. Je vais vous le dire. Dans les 3 balles. Hein. Je crois que le rouge aux lèvres. Alors que j'en ai pas besoin, mais tout ce qu'elles m'ont offert, les filles. 2,95. Alors que j'ai celui des filles. Bon, enfin, bon, bref, mes gazelles, vous me connaissez. Si vous passez par là. Et j'ai pris l'autre comme ça. Et c'est pas les mêmes. Non, 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 j'avais regardé dans le magasin. T'en as un qui est plus foncé que l'autre. Alors, à la limite. Il n'a pas tenu le trait que je fais tous les matins, là, vous savez, avec le tatouage. Il faut le laisser plus longtemps. Puis comme il fait très chaud, ça a tendance... Alors, je ne vais pas peut-être le défaire comme l'autre. Parce que j'ai vu qu'il collait trop. Je ne pourrais pas en faire un marque-page. Ça a collé les pages, tu vois. Alors, attends. On va y arriver. Oups. Ouais, voilà, c'est pas la même couleur. Regarde. Tu vois, ils sont différents. Attends, je vais te montrer l'autre, quand même. J'aime beaucoup celui-là, il sent bon. Donc, le même prix. Hein. Ouais, tu t'en sers un peu comme de contour, après tu mets celui-là. Bon, enfin, bon, bref, c'est sûrement le... Je le bouffe, mon nouvel. Bref. Et là, vous allez être très surprise. Certaines... Vous savez, j'avais trouvé autrefois des espèces de marqueurs de tatouage avec des étoiles, etc., que j'avais acheté à Folie Cosmétique. Et puis, ma foi, je m'en sers, tu sais, je le fais sur les mêmes. Si tu peux en mettre là, t'en fous partout, tu t'en fous, ça s'en va. Et là, qu'est-ce que je vois à Action, les filles, à Action. Là, je vais le dire sur le groupe de Bellouchette. Et je suis sûr qu'on va y aller. Parce qu'on est un peu pareil toutes les deux. Donc on aime tout ce genre de trucs. Et elle va y aller, ça c'est sûr. Hop là! Des stylos tatouage. Enfin des stylos, des machins là. Alors, vous avez l'étoile, le cœur, la lune, ça, ça et ça. J'ai trouvé la lune. Il faut tout défaire. Hein. C'est que dans un truc, tu sais, dans un rail. Il faut regarder tout le rail. Je dis pas, en plus, il était bas, mais ça fait rien. Elle a été tout défait. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai la lune. Ça, c'est OK. J'ai... Alors. Donc, j'ai... Comment je pourrais vous mettre? Bon, on a la lune. On a le flash. On a les têtes de mort. Ça peut être rigolo. On a ben, la lune. Ah, merde, j'ai repris la lune. Quelle quiche. Ah, j'ai pris 2 fois la lune. Alors, vous avez vu, vous avez doré et argenté. Et vous avez ben ça, là, ce truc-là. Ça, là. Donc, bon. Donc, moi, il me manquerait le cœur et l'étoile. J'ai pas l'étoile. J'ai pas trouvé l'étoile. Mais vous me connaissez, comme si vous m'aviez cousu la zaza. Donc, par contre, il y a ou doré ou je ne sais pas s'il y aura la lune en... Et ça pour 95 centimes. Sachant que moi, je les avais payés bon, après, c'est pas les mêmes. Hein. Relativement un peu plus cher. Quoi. Dans les 2 ou 3 balles.
Non, ça m'étonnerait de moi quand même. Bon, enfin, bon, bref, je les avais trouvés à Folie Cosmétique, mais il y a bien un an, hein. Il y a très longtemps. Et je les avais piqués. Attendez, on va vérifier quand même. Je crois que c'est que. Attends. Il me semble que c'est 95 centimes le stylo. Alors, je veux pas. Les sandales, je vous l'ai dit, 2,50 €. Il me semble pas. Hein. Ou c'est un long haul, je croyais un petit. Je vais te dire ça de ce E8. Le sac à provision, on s'en fout. Oh, tu me crois si c'est là où c'est coupé? Moi, ça m'étonne pas. Pile poil, tu peux y aller. Pro Max Multiprise, on s'en fout. Le tatouage. C'est pile poil où c'est coupé, mes chéris. Et c'est. C'est pile poil où. Comment on peut faire? Mais il manque un bout. Et il manque un bout, vous allez me dire, mais c'est infernal. Non, mais regarde. Regarde le truc. Il manque le bout juste où il y a le prix. Parce que tu fais ça, c'est là, là c'est le tripode. Là. Hein? Bref, ils sont pas à 1 €. Je regarde s'il n'y a pas le petit bout. Mais c'est pas 1 €. Et c'est pour ça que je sais tout ce que. Ils sont à 90 centimes, un truc dans le style. Que dalle! Alors après, passons aux choses sérieuses. Ça, je suis super content. Tu sais quoi, on va en ouvrir un quand même. Et après, je vais vous expliquer autre chose. Voilà, comment il se présente, machin. Voilà, ben c'est comme les autres. Ah oui, il ne faut pas appuyer trop fort, sinon tu as le cercle. Après, on dit 90 centimes. Hein. C'est l'éclair. Il est ch'ti. Mais bon, justement, c'est parfait. Alors, je vais en mettre un peu comme ça, là. Voilà. C'est l'éclair. N'appuie pas trop parce que ça fait le cercle. Donc, vas-y, mollo, si tu veux. Donc, mon cappuccino. Oui, je les ai pétés ce matin. Je le referai, je ne sais pas quand, un jour. Enfin, bientôt, puisque vous me connaissez. Bon. Je continue. Ça va être un peu long. Tant pis, vous avez qu'à zapper après, hein, ceux qui trouvent que c'est trop long. J'ai décidé. Depuis 4 ans, donc bien 2 ans. Donc j'ai décidé depuis 2 ans d'arrêter, enfin de diminuer la clope. Parce que je fume clope sur clope, c'est beaucoup trop, je le sens en moi. Ça ne va plus du tout, je tousse énormément, enfin je crache même. Donc à un moment donné, il faut prendre des résolutions. J'en ai pris une et je m'y tiens et ça fonctionne. J'ai perdu 2 kilos. Bon après il y a la rétention d'eau, etc. Mais j'ai quand même perdu 2 kilos, mine de rien. Je me suis mis un objectif, j'en parle pas trop, j'y vais mollo. J'ai jusqu'à la fin de l'année pour bien, voilà, point barre. Je vais pas perdre 10 kilos en 20 jours. Hein. Mais j'ai quand même perdu 2 kilos. Et j'ai regardé sur certaines photos, je le sens quand même. C'est con, mais j'ai l'impression de maigrir, puisque je rentre quand même dans des fringues XL et non XXL. Et quand je me pèse, j'ai l'impression que je n'ai pas maigri. Alors que... Donc c'est très bizarre. Bref, là on va partir sérieusement sur la clope. Donc j'ai acheté ça. C'est 8 €. 8 €. 7,45 €. Non, pardon, je vous mens. Ça c'est 5 €. C'est 4 € et quelques. Ça là. Donc ça c'est la clope en fait. Tu vois, donc elle m'a bien expliqué. Parce que moi je les perds. Je les perds, c'est pas la première fois. Donc elle m'a bien expliqué le fonctionnement. Donc là, je découvre avec vous. Elle est très, très jolie. Voilà. Donc, tu la perds. Tu t'en fous, c'est 5 balles. Par rapport au tabac, ouh, c'est beaucoup plus cher. Donc, tu l'as mis à charger, machin. Bon, je vais pas voilà, vous expliquer tout ça. On s'en fout. Hein. Vous savez que je garde toujours les boîtes. Donc, la boîte est là. Voilà. Donc, je suis très boîte. Donc, tu te la mets à charger. Soit. Et donc, ça, par contre, c'est un peu plus cher. Bon, après, tu en as deux dedans. C'est le liquide, la vapote. Bon, moi, j'ai pris 0. Pourquoi? Parce que je sais très bien que je ne vais pas arrêter du jour au lendemain. Il ne me faudrait pas non plus
3 mg de nicotine dans la goule. Donc voilà. Donc lorsque je vais essayer de faire 1 sur 2, puis 1 sur 3, puis 1 sur 4. Tu vois le truc? Je vais essayer. Ce n'est pas dit que j'y arrive. Je suis une très grosse fumeuse depuis très longtemps. J'aimerais, vraiment j'aimerais. Hein. Mais bon, écoutez, avec les vapotes, ça devrait le faire. Donc voilà. Et tu enclenches ça après dedans. D'accord? Et ça, ça coûte 7,50€. Après, tu en as deux. Après, ça te dure, bien, suivant comment tu fumes. Hein. Mais ça te revient moins cher que ça. Il faut que je les appelle, j'ai pété l'embout. Le truc principal, j'ai pété. Faut être con. Mais c'est pas pour moi, c'est pour Fabrice. Donc, dès que Fabrice aura pris sa réelle décision de ne plus fumer, parce que lui, c'est ça le truc qui est dommage. Fabrice est mon compagnon. Lorsqu'il avait décidé d'arrêter de fumer, il avait arrêté de fumer. Et c'est con parce qu'il a repris. Bon, après, il nous arrive. Voilà, les filles. Donc, nous allons tenter. Je me dis merde. Et nous verrons bien. Attendez, ce qu'on va faire, on va ouvrir aussi. Ça me revient même pas à 20 balles. Et tu vois le truc, tu vois déjà l'économie, quoi. On va essayer le doré, les filles. Ah non, mais c'est pas doré. Ah, mais je pensais que c'était... Quel quiche. En fait, c'est le packaging. Mais non, c'est pas doré. Alors, la lune... Ah, faut appuyer un peu pour la lune. Mais comme je vous ai dit, les filles, n'appuyez pas trop parce que, tu vois, ça te fait le cercle. Tu vois pas. Donc, si tu veux pas le cercle, n'appuie pas. Bon, moi, c'est surtout pour les mains parce que... Là, je suis soft. Mais ça, c'est une des bagues que m'a été offerte par Pauline. Pauline et sa maman, Laurence. Là, c'est le bracelet. Et j'ai le collier de... Il est dans la chambre. Tu te reconnaîtras avec la pierre de jade, là. Tu te reconnaîtras. Putain, c'est collier. Voilà, les nanas. Bah, écoutez, on a fini ce grand haul, finalement. Je pensais que c'était un ch'ti. Un ch'ti, comme on dit, dans le Nord. Et au final, c'est un grand. Je vais vous laisser. Je vous remercie à tous les abonnés. Je peux pas nommer tout le monde. Je vais prendre le temps de vous répondre ce week-end puisque j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires. Donc, je vais y aller. Il faut que je prenne le temps. Hein. C'est pas que je ne prends pas le temps. C'est que comme je fais la formation pratiquement toute la journée, je fais des pauses. Bien sûr, je fais des pauses. Et le week-end, après, il y a Fabrice, machin. Donc, on fait plein de trucs. Et le soir, je suis tellement fatiguée que je me dis, putain, allez, je vais leur répondre. Et puis, au final... Bah, je vous oublie et adieu, adieu Berthe, quoi. Donc, non, je vais répondre à vos commentaires. Je vous remercie. Il y en a, ça me touche, mais vraiment, vraiment, vraiment. Où je suis contente, c'est que je n'ai pas trop de... Comment on dit? Des haters. Enfin, des gens qui m'en fait mettre plein la tête. J'en ai eu deux, je crois. Et encore, même pas un. Ah oui, celle avait les cheveux, je me rappelle. Elle disait que je me touchais trop les cheveux, que ça la gênait, patati patata. Enfin, une qui m'aime pas. Mais bon, en même temps, on s'en fout. C'est qu'elle avait dû passer de mauvaises journées. Je suis pute. Les gens comme ça, pour moi, c'est ça. C'est des gens qui passent de mauvaises journées, tu vois. Ou qui sont pas bien dans leur peau. Et qui ont tendance à dire du... Tu sais, à faire du mal, finalement. Pour blesser quelqu'un, ça les rend peut-être joyeux, je sais pas. Ils sont tellement bizarres par moments. Vis ta vie, quoi. Tu aimes, mais tu aimes pas. Bon, franchement, il y a des gens, mais je les aime pas. Je vais pas aller les faire chier, tu vois. Chacun son truc, mais tu arrives toujours à trouver pourquoi il est comme ça, tu vois. Enfin bon, bref, on va pas faire de la psychologie gratuite. Je vous fais des gros bisous, vivez l'instant présent. Je remercie toutes mes gazelles qui sont là pour moi, tout spécialement une nana que j'aime énormément, qui est vraiment très gentille. Elle est très compatissante, elle est très... Après, j'aime les autres, hein, j'aime les autres. Mais je veux lui faire un clin d'œil. Elle, c'est Nathalie. C'est une nana qui va me manquer, puisque là, elle était en vacances, et puis elle va reprendre le taf. Enfin, elle a un travail, je ne vous dirai pas, mais qui est très, très dur, et on les félicite toutes, vous voyez. Mais c'est une fille extraordinaire. Lorsque j'ai eu un souci, je ne savais pas trop à qui en parler. Et elles étaient deux. Donc, il y avait Sissi, Ninou. Bon, elle, c'est un peu notre petit clown. Je l'aime beaucoup aussi. Elle est...
Mais Nathalie, c'est pas pareil. Je me suis attachée à cette fille. C'est bizarre comment on s'attache vite fait. Bref, c'est comme ça. Si tu passes par là, je te fais un énorme bisou. Je te souhaite énormément de courage pour ton changement. ainsi qu'à toutes, en fait, toutes. Suzanne, sa maman. Je ne peux pas nommer tout le monde, vous êtes extrêmement nombreuses. Mais vous êtes des filles bien, n'en doutez jamais. Jamais. Viviane, Jocelyne, Christelle. Alors, Christelle. C'est pareil, c'est un peu mon post-it. Christelle, je dis un truc, je fais peut-être, il faut que je pense à ça. Et quand je la vois, elle me dit, ah, t'as pensé à ça. Elle est, voilà, c'est mon post-it. C'est elle qui crochette, qui fait des trucs au crochet. Ainsi que Jocelyne, d'ailleurs. Ma fille. Enfin, voilà. Bon, mais ça fait 30 minutes. Donc, mais j'espère que vous n'avez pas tous zappé. Moi, je vous fais de gros bisous. Vivez votre instant présent. Je t'oublie pas, Laurie. Ne t'inquiète pas. Bisous.